Bonjour à tous et bienvenue sur ce let's play de Dragon Quest 8. Dans l'épisode précédent, on avait rencontré Ombre Lune à la fin du château de Trodin. Et manque de bol, son harpe était cassée. Donc, on doit chercher une harpe beaucoup plus puissante. Voilà. Alors. Il y a un endroit sympa à aller voir, c'est Tapikam. On va voir le doc pour des informations. J'en suis sur mon équipement. Oh, ça le fait. Salut. Salut Doc, est-ce que tu pourrais encore me donner quelques infos? Ionius, comment vas-tu? Tu as réussi à trouver le bateau? Ouais, mais est-ce que tu aurais entendu parler d'un truc qui s'appelle l'arbre d'ombre lune? On en a besoin, désespérément besoin. L'arbre d'ombre lune, il me semble que l'un des objets du trésor d'Assenta s'appelait comme ça. Bien joué, Doc. Je savais que tu nous dénicherais l'info. Je ferais bien de filer vers Assenta. Alors, à plus. Salut, toujours aussi pressé, hein. On est parti pour Asenta. Ah. What a pleasant surprise. It's so nice to see you all back at my humble home. Quelle agréable surprise, c'est un plaisir de vous revoir dans
tous dans mon humble demeure. I'll never forget that day you brought the vision of my dear Sasha to me. Je n'oublierai jamais ce jour où vous m'avez offert la vision de ma chère Sasha. Je ne vous remercierai jamais assez. So, what brings you to my kingdom on this fine and sunny day? Alors, qu'est-ce qui vous amène dans mon royaume en cette belle journée ensoleillée? I see. The Moonshadow Harp is indeed in Ascantha. Je vois la harpe d'ombre lune se trouve en effet à Ascantha. It has been one of our treasures since ancient times. C'est l'un de nos trésors les plus anciens. But I cannot deny my honored friend's request. It would be my pleasure to give it to you. Mais je ne peux rejeter une requête de mes honorables amis et je ferai une joie de vous la donner. It is locked securely away in the vault below the castle. Allow me to escort you there. Elle est enfermée en sécurité dans la chambre forte sous le château. Permettez-moi de vous y accompagner. This brooch has been passed down through many generations of the royal family. Cette broche s'est transmise de génération en génération dans la famille royale. Here we are. Nous y sommes. The vault is just below us. Come with me. La chambre forte est juste sous nos pieds. Venez avec moi. I don't believe it. How can this be? Je n'arrive pas à y croire. Comment est-ce possible? Must be the work of thieves. I will not stand for this. Ce doit être là l'œuvre de voleurs. Je ne le permettrai pas. It appears that the unthinkable has happened, and the Moonshadow Harp has been stolen. On dirait bien que l'impensable est arrivé et que la harpe d'ombre lune a été dérobée. The culprits could still be inside this tunnel. Les coupables sont peut-être encore dans ce tunnel. It's too dangerous for you to go after them. You mustn't set foot inside. Vous ne pouvez pas vous lancer à leur poursuite. C'est trop dangereux. Vous ne devez pas entrer là-dedans. I will summon the castle guards. They'll get the harp back. Mark my words. Je vais appeler les gardes du château. Ils récupéreront la harpe. Je vous en fais le serment. Ouais. On a quoi? Oh, on a la clé magique aussi. Thank you.
chemin s'offre à moi. Ici. Ouais, non. Et puis attaquer monsieur. Du mal, coup double. Tiens, eux ils aiment pas la tornade.
freine de vie. Ok. On a chopé tous les coffres. Une bonne idée. La carte.
le faire. Alors, vraiment que je les tue très rapidement. Voir que Jessica elle était mal.
tranquille. Ah ben ouais, il y a bien un café ici. Voilà. Un nouveau home pour Lornicus. C'est mieux que la couronne du gland. Ah non. D'accord. Là. Ouais. Oui, quel con. Thank you.
en faire ça. Le battle lab. Wouah, ça sonne bien, j'en étais sûr. Yeah, Papa's got a brand new toy. This harp makes me sound hotter than ever, baby. Yeah, un nouveau son pour Mr. Tub. Avec cette harpe, je suis plus convaincu que jamais, baby. All those years tunneling to the castle, but you all stayed on the scene. Like a digging machine. Toutes ces années passées à creuser vers le château, mais vous êtes tous restés fidèles jusqu'au bout. Du tunnel. Hey, come on, fellas. What's with the silence? Oh, I get it. My groove's so hip, it got y'all speechless, huh? Et allez, les gars, c'est quoi ce silence? Oh, je comprends. Mon groove balance tellement que vous en restez tous sans voix. Hein. Tout va bien. Et vous là, vous êtes en territoire top, mais sans public, je ne suis rien. Un morceau funky, ça vous tente? Yes. Oh, you dug it, baby. Papa's in the swing. Ain't it funky now? Oh yeah, ça swing, baby. Mr. Top à la groove. Alors funky, hein.
I hit you one more time? Non. Ow, jump back! You come to steal my harp? That ain't him. Arrière, alors on vient me voler une harpe, c'est pas cool. I'm ready to get up and do my thing. Hit me now. Je suis prêt pour le grand show, je vous attends. Alors. On va faire coup de gorge pour tout le monde. Lui il va mettre se faire une petite tension. On va y aller au bangos et au bâton de lave. Oui. On fait. Non. Toujours tension lui. Encore du bang. Short bat, we have. Troisième tension. Il y a personne qui est quasiment mort. Un coup double. Flamme de feu.
gens en tension. Toi, toujours coup double. Et toi, tu fais soin partiel sur Jessica. Soin partiel sur Angelo. Toujours tension. Double. Encore la méga protection. Sûr, mais je vais faire quand même ça. Ouais, lame de feu sur lui. Un petit coup. Allez, on attaque à fond. Venez tout là, c'est un, les choses sont allées, sont parties, sont allées trop loin. Dig Dug. Chef. Dig Dug. Dug dig dig. Chef, tenez bon. Merci de l'avoir fait taire, mais inutile de faire une montagne taupinière. Il lui arrive de voler des trucs et sa musique est catastrophique. Mais à part ça, c'est un super chef. Vous pouvez reprendre la harpe, comme ça vous pourrez peut-être en rester là pour cette fois.
Yep. Bon. Allez, on descend. On se téléporte au château de Trodin. Ah ben non, en fait, ouais, c'est qu'à la nuit tombée, donc ouais, je vais être obligé de me téléporter à la cabane de la colline. Ah bon. Trop bien.
witnessed the passing of many moons, but never before have I felt time pass so slowly. J'ai vu passer de nombreuses lunes, mais jamais auparavant le temps ne m'avait paru s'écouler si lentement. I see the outcome of your quest from the brightness in your eyes. Je devine l'issue. You retrieved the moon shadow heart. Je devine l'issue de votre quête à l'éclat de vos yeux. Vous avez retrouvé la harpe d'ombre lune. Please show it to me. S'il vous plaît. The mighty instrument that will rouse the memory of the ocean. S'il vous plaît, montrez-la-moi. Montrez-moi l'instrument puissant qui ravivera le souvenir de l'océan. This harp has traveled far, just as you have. Pourtant les sprites étaient bien là. Cette harpe a voyagé très loin, tout comme vous. I did not imagine it would ever find its way into my hands again. Je n'aurais jamais cru qu'elle retrouverait le chemin de mes mains. À présent, attelons-nous à la tâche. Let us go to the ship. Allons. Music will awaken it from its slumber and set it sailing once more. Allons au bateau. La musique l'éveillera de son sommeil et lui permettra de naviguer à nouveau. Que se passe-t-il? Comment sommes-nous? This ship, the moon shadow harp and myself, we are all the same. We are all from the old world. Ce bateau, la harpe d'ombre lune et moi-même sommes semblables. Nous venons tous de l'ancien monde. I must thank you for reuniting us ancient ones. Je vous remercie de nous avoir réunis, nous autres anciens. Now, come. Come to me, times past. Come to me, ancient ocean. Maintenant, venez, venez à moi, temps révolu, rêve. Viens à moi, vieil océan, rêve. Reviens une fois encore. Is this harp Daphano? Mais elle est nulle ta harpe, elle marche pas. No. Can it really be beyond even the moon shadow harp? Non. Ah, but wait. Non, ce reste même au-delà du pouvoir de l'arbre d'ombre lune. Ah non, attendez. Forgive my ignorance. At first I saw only a horse. But now I see that you are truly a noble princess. Pardonnez mon ignorance. D'abord, je n'ai vu qu'un cheval, mais je vois à présent que vous êtes en réalité une noble princesse. Of course. Magic begins with a word. Music begins with a voice. Bien sûr, la magie commence par un mot, la musique commence par un chant. The beautiful voice of this cursed princess is all this great instrument needs to play its music. La voix magnifique de cette princesse ensorcelée est tout ce dont ce puissant instrument a besoin pour libérer sa musique. Princess, please come to my aid. Sing with me. Princesse, je vous en prie, venez à mon secours, chantez avec moi.
now it is time for us to part. I will sing to bless your journey on the ancient ocean, my children. Stone the crows! Blimey, O'Reilly! What the hell happened back there? Sapristi, nom d'une bille, ventre bleu, il s'est passé quoi là? Stop your ridiculous blethering! This is all thanks to my precious Medea! Arrêtez si malgré ridicule, tout ça c'est grâce à ma précieuse Medea. Yeah, well at least we've got the boat up and running now, eh Gov? Nice. Ouais, bon, au moins le bateau est en état de fonctionner maintenant. Un chef, sympa. Don't you think it's a bit early to be congratulating ourselves? We still have a lot to do, like going after Dolmagus, remember? Il est un peu tôt pour se féliciter, non? Nous avons encore beaucoup à faire, comme retrouver Dolmagus, par exemple. Tu te souviens? That's why we went to so much effort to get the ship in the first place. À la base, c'est pour ça que nous sommes donné autant de mal pour avoir ce bateau. Well, if Dolmagus has left the eastern continent. Bon, si Dolmagus a quitté le continent est. I say we head for the west and see if we can't catch up with him there. Je suggère que nous allions vers l'ouest pour voir si nous pouvons rattraper là-bas. Right then, it's decided. We sail for the west. Get to it. Très bien, alors c'est décidé. Cap vers l'ouest, c'est parti. Lorsque tu vois un bout de terre que tu veux explorer, dirige le bateau droit devant dessus. S'il s'agit d'un endroit accessible à pied, tu pourras débarquer si tu le souhaites. C'est assez simple maintenant, levons l'ancre et relançons-nous à la poursuite de Dolmagus. Ici
bien. Ok. Par contre, ce que je cherche surtout, c'est un point de sauvegarde. Si je ne devais pas supporter ce corps inutile, je serais capable de régner. Tout ne reposerait pas ainsi sur tes épaules. Oh ma chère Mini, c'est entièrement de ma faute si tu dois supporter un tel fardeau. Don't say such things, father. Ne dis pas des choses pareilles, père. I'm simply delighted to carry out my royal duties. Je suis ravi d'accomplir mes devoirs royaux. Don't you fret one little bit. You just make sure you rest and get back into tip-top shape. Ne te tracasse pas, contente-toi de te reposer et de te remettre sur pied. Oh, visitors, how exciting! Oh, des visiteurs, quelle surprise! Is one to assume you brought some of those wonderful, shiny, teeny-weeny mini-medals? Pouvons-nous supposer que vous avez apporté quelques-unes de ces magnifiques, brillantes et adorables mini-médailles? Ouais. You have? Oh, how absolutely delightful! At last, one will be able to do one's bit for the family. C'est le cas. Oh, vous êtes adorable. Nous allons enfin pouvoir apporter notre contribution à l'œuvre de la famille. May one suggest that we move downstairs? We can have a lovely little chat down there. Pouvons-nous vous suggérer de passer à l'étage inférieur? Nous pourrons y discuter tranquillement. Please excuse us, father. Excuse-nous, père. Ah.
Eh bien bonjour, je suis Mini, princesse des médailles. Vous savez, je collectionne les mini médailles dans le monde entier. J'espère que vous pardonnerez notre curiosité, mais peut-être avez-vous trouvé des médailles au cours de vos pérégrinations. J'apprécierais de pouvoir vous les échanger. J'ai quantité de merveilleux objets, vous savez. Oh, c'est tout simplement adorable. Et nous avons déjà apporté des mini-médailles. Jetez ainsi un coup d'œil, elles sont tellement brillantes, tellement éblouissantes. Nous sommes ravis d'accepter votre contribution de 29 mini-médailles. Permettez-nous de vous nous vous remettons une paire de barres en signe de notre gratitude pour les 28 mini-médailles que vous avez réussi pour nous. Voyons voir. À ce jour, vous nous avez apporté 29 médailles. Mini médailles. Le 36, ok. La banque, d'accord. Pour espérance. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine fois.